du temps. Le premier signe apparaîtra dans les cieux. Et la justice tombera sur le monde des hommes. Et les armées de lumière et d'ombre s'affronteront par-delà l'éternité. Ça va, mon enfant ? Ce n'est rien, oncle Descartes. C'était juste un cauchemar. Rentrons à la maison maintenant. Et il me reste tant de travail. Si ces traductions sont correctes, les forces des enfers pourraient déjà être en chemin. Il faut prévenir le monde de l'arrivée des ténèbres. N'est-ce pas, Léa ? Voilà le premier signe. Laisse ça ! Vite ! Il faut partir ! Depuis mon enfance, on me dit que je suis spécial. Un prodige au potentiel immense. Je suis venu chercher au sanctuaire des Ishari toutes les connaissances dispensées par les maîtres. Je n'y ai trouvé que des vieillards effrayés par la vérité. Je n'allais rien apprendre d'eux. Mais les vieux livres et les prophéties qu'ils contenaient m'ont révélé tout ce qui pouvait arriver et tout ce que je pouvais devenir. Puis, un jour, une étoile est tombée du firmament, le signe que l'heure était venue. Je pars vers l'ouest, vers Tristram. Pour arrêter les ténèbres que présage l'étoile et accomplir le destin qui m'appelle. Ça pue la mort par ici. L'étoile n'a pas dû tomber très loin. La prophétie m'envoie à la recherche de l'étoile qui est tombée sur ces terres.
Elle est tombée sur la vieille cathédrale. Léa est la seule qui a survécu à l'impact. Vous devriez aller la voir. Capitaine Rumford, il y a d'autres morts qui arrivent. Impossible de d'ouvrir les... partout. J'avais encore jamais vu personne se battre comme ça. Garde, ouvrez les portes! Vous trouverez Léa à l'auberge du veau égorgé. Roule vite les cadavres avant qu'ils se relèvent. Les morts sont une véritable calamité depuis que cette maudite boule de feu est tombée du ciel. Il faut tous les brûler, juste pour être sûr qu'ils ne se relèvent pas. Zakaoum est tombé en disgrâce. Quelle foi peut encore... Pendant de nombreuses années, les villageois sont restés trop craintifs pour s'installer dans les ruines de la ville maudite Tristram. Mais, au fil du temps, des aventuriers sont arrivés, toujours plus nombreux, pour piller les ruines de la cathédrale. Leurs affaires étaient si florissantes que la nouvelle Tristram s'est développée pour répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, le flot des visiteurs se tarit, et la ville est principalement habitée par des fermiers et des artisans. Vous êtes Léa ? Rumford dit que vous avez survécu à l'impact de l'étoile. C'est vrai. Mais mon oncle Descartes Kane a été précipité dans les profondeurs de la cathédrale par l'impact. J'ai essayé de le retrouver. Mais les morts commençaient déjà à se relever. J'ai couru jusqu'ici pour ramener la milice, mais... Attention ! Les blessés se transforment ! C'est pas bon pour les affaires, ça. Si rien n'est fait, les morts vont tous nous massacrer. Je m'en occupe. La ville est en sécurité maintenant. Merci. Vous devriez aller voir Rumford à l'entrée de la ville. Il pourra vous donner des détails. La ville est assiégée depuis 6 jours. Oncle Descartes n'est toujours pas revenu. Le capitaine Rumford et les autres commencent à perdre espoir. Je leur dis de garder la foi, mais si personne ne vient vite nous aider... Je vais vous aider à combattre les morts. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? J'admire votre courage, mais le capitaine Daltin et toute sa milice ont été massacrés par les créatures. Je suis le seul survivant. Merci pour l'avertissement, mais je ne compte pas mourir aujourd'hui. C'est vrai, je vous ai vu vous battre. Bon, attaquez-vous aux mères de misère et à leur reine. Ce sont elles qui vomissent ces horreurs. Ils s'en prennent à la barricade ! C'était une des mères de misère. Il y en a d'autres qui rôdent dans les vieilles ruines le long de la route.
Il est temps de tester mes compétences. Je devrais mettre fin aux attaques, au moins pour l'instant. Les morts, ils sont arrivés pour nous dévorer pendant qu'on dormait. Ils sont partout! Courez! Sauvez votre front! Où est passé tout l'or? Ce ne sont quand même pas les morts. La vieille Tristram. Diablo en personne s'est promené par ici.
Merci pour votre aide. Mais est-ce que vous pourriez m'aider à raisonner Léa? Elle s'entête à vouloir aller au secours de son oncle. Elle n'a pas de raison de l'abandonner. Je vais l'aider à le trouver. Toujours plus de puissance.